Fun Radio. Enjoy the music. Sinon, sujet un peu moins marrant, en décembre, tu as partagé un tweet qui expliquait que depuis quelques semaines, moi à peu près, il y avait des comportements de tes fans qui interpellaient. En fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois beaucoup d'artistes en ce moment justement tweeter sur ça, sur le harcèlement. Bah, c'est parce qu'à cause des réseaux sociaux, on est beaucoup plus accessible. Ouais. Et à l'époque, je suis désolé, un Johnny Hallyday, vous le voyez, pour le voir, il fallait aller au concert. Mmh. Et vous le voyez pas après, il n'y avait pas de photos. Donc c'était vraiment star. Aujourd'hui, nous, tout le monde peut nous parler. Un mec qui n'est pas content, @ sur Twitter, il insulte. Et du coup, il y a des gens qui pensent qu'on est amis. Alors, c'est des gens qui nous font vivre. Hein. Ça, moi, je le reconnais. Je suis reconnaissant envers eux. Mais on ne se connaît pas plus que ça. Enfin, il y a des fans qui vous forcent la bise, même des mecs, alors que j'ai même du mal à faire la bise à mon frère. Tu vois, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas très tactile. Donc, quand un fan, il est là, il te prend, il t'oblige à faire la bise. C'est des moments un peu gênants. Ça rentre un petit peu dans ton intimité. Et il essaie de savoir le prénom de ta mère. Ça, moi, ça a déjà fouillé les poubelles chez moi et tout. Hein. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, ça va loin. Ouais. Des fois, ça blesse un peu, mais bon. Mais ça, surtout, ça fait partie du jeu. Quand on te connaît, et c'est vrai que quand on regarde tes interviews, quand on. Voilà. C'est vrai que toi, la célébrité, ça te fait pas kiffer, t'aimes pas trop la lumière. Alors, c'est vrai que t'es un artiste, donc forcément, faut te dévoiler, faut être sur les réseaux sociaux, faut donner des concerts, mais t'aimes bien vivre ta vie. Et si tu pouvais être artiste, et puis juste avec ta famille et tes potes. Ouais, pas de promo, mais si, parce que la promo, j'aime ça, mais vraiment, comme j'ai dit, c'est un tout. Il n'y a pas que ça, il y a quand même des super bons moments. C'est. Allez. Sur, je sais pas, 1000 fans, il y en a deux comme ça, par exemple. Mais c'est tout le temps comme ça. Mais comme j'ai dit, moi, je vais les voir en direct. Je leur dis, écoutez, je préfère vendre moins de CD, mais être avec des gens bien. Donc, allez soutenir d'autres artistes. Laissez-moi tranquille et arrêtez d'être méchant parce que ça sert à rien. Et en vrai, quand on voit les statistiques, les disques de platine, là, pour, ça se passe bien finalement. Oui, finalement, ça se passe très bien. Le retour, il fait du bien. J'avais arrêté 3 ans même de chanter et là, ça fait du bien.